Le prince William n'a fait aucun effort pour reprendre les communications avec son jeune frère depuis la publication de ses mémoires, Spare. Le prince William veut passer à autre chose de sa querelle avec le prince Harry alors que le duc a montré qu'il ne peut pas faire confiance avec la sortie de son autobiographie, Spare. Un initié royal a affirmé que le prince de Galles n'avait fait aucun effort pour contacter son frère pour discuter des allégations explosives incluses dans les mémoires, y compris des affirmations selon lesquelles il aurait brutalisé le duc lors d'une conversation animée. La relation entre les frères a été quelque peu glaciale depuis que Harry et Meghan Markle ont annoncé qu'ils quitteraient leurs rôles royaux en 2020. William a jusqu'à présent refusé de commenter les accusations que le prince Harry a portées contre lui ou le reste de la famille royale, mais l'initié a insisté sur le fait qu'il se méfiait de plus en plus de son frère. Ils ont insisté sur le fait que la publication des mémoires de Harry était considérée comme un abus de confiance massif en raison de la fuite de certaines histoires. S'adressant à US Weekly, l'initié a ajouté: William a le sentiment que Harry n'est que fumée et miroir et qu'il ne faut pas lui faire confiance. Il essaie de continuer sa vie. Des rapports plus tôt cette semaine suggéraient que le prince de Galles avait exprimé une certaine résistance aux tentatives du roi de négocier la paix avec le duc de Sussex pour garantir sa présence au couronnement. On pense que Sa Majesté a demandé à l'archevêque de Canterbury d'intercéder auprès de Harry et Meghan pour une trêve, mais William aurait exprimé des inquiétudes quant au fait que le couple exploite la cérémonie pour l'une de leurs cascades. Au cours de la tournée promotionnelle de Spare, le prince Harry a affirmé avoir eu une confrontation houleuse avec son frère aîné après avoir prétendument qualifié Meghan Markle de grossière et difficile. S'adressant à Tom Bradby d'ITV, le duc de Sussex a déclaré : ce qui était différent ici, c'était ce niveau de frustration, et je parle de la brume rouge que j'avais depuis tant d'années, et Jai vu cette brume rouge en lui. Il voulait que je lui réponde, mais Jai choisit de ne pas le faire.